13h. Donc ouais, je vous emmène avec moi, les classiques. Hein. Bon, on est bien arrivé. Là, on va se mettre en mode charbon. On va essayer d'avoir une routine de malade. Bon, voilà. Première journée. Là, on est loin des centres de consommation. Bon, hier, comme je suis arrivé assez tard, on est arrivé à 23h et quelques, après je suis arrivé à l'hôtel, il était minuit, 1h. Donc bon, j'ai pas pu me réveiller assez tôt. Mais globalement, normalement de base, je dois avoir un planning de fou furieux ici. Je dois avoir un planning de fou furieux du genre, je me réveille à 3h30, 4h, je vais bosser jusqu'à 15-16h. Donc là, je me réveille le matin direct, ordinateur, tout. J'ai préparé les micros, tout va être prêt. J'ai commencé à en lire. Voilà, je vais bientôt le terminer. Hein. Quand j'étais dans l'avion, j'ai lu 70 pages. J'ai bien avancé. Tegurovic. Parce que j'ai beaucoup procrastiné ces dernières semaines. Donc là, on se remet dedans. L'objectif, c'est de lire 40 à 50 pages par jour. Donc, ça fait à peu près 4 à 5 livres par mois. Sur une année, on est sur 60, 70 livres. Franchement, si j'arrive à tenir comme ça longtemps, et je vais essayer de vous tenir accountable, donc à travers le temps, vous montrer à chaque fois les livres que je lis et vous faire un petit résumé. Donc là, voilà. Ça, c'est un classique. J'ai appris pas mal de choses dedans. Voilà, là, c'est en mode, je me réveille déter direct. On bosse. Parce qu'il y a le Q4 qui arrive, là. Vraiment, il faut qu'on soit déter. Bon, là, on est là. Deuxième jour, on est en mode charbon. On est en mode charbon. Et du coup, là, ouais, je suis en train de faire une introspection. Bon. Donc là, je suis un peu en train de faire une introspection de tout ce que j'ai pu faire cette année. Et clairement, sur ma chaîne de coiffure, notamment l'Ocity, je vois que j'ai pas assez travaillé. J'ai totalement délaissé la chaîne. Quand je regarde, je crois que cette année, j'ai posté quoi 5, 6 vidéos. 6 vidéos. C'est trop peu. C'est une vidéo tous les 2 mois. Donc clairement, j'ai rien foutu. Je me rends compte que j'ai rien foutu. Voilà. Et dans le livre, à un moment donné, il pose, il y a 28 questions. Et il te dit oui, en gros. Il dit que tu dois te poser 28 questions à la fin de chaque année qui vont permettre de déterminer si, en fonction de tes objectifs, tu as bien avancé, si tu as fait le nécessaire, si tu as procrastiné, si tu as travaillé. Voilà. Et là, clairement, sur les 28 questions, il y a plus de la moitié, je pense, où c'est non.
Ok. Comment ça va? Bon, troisième jour. On est en mode charbon. Hein. Ça bosse dur. On est sur plusieurs projets en même temps. Mais il y a une chose qui est sûre, les gars, c'est que si vous voulez avoir des résultats différents dans votre vie, vous êtes obligé de faire des choses différentes. Généralement, il faut bosser deux fois plus, trois fois plus que les autres. Il faut avoir un mindset de winner, de gagnant. Et il faut déjà se mettre dans la tête que vous allez avoir ce que vous voulez avoir. Voilà, faut agir comme si vous l'aviez déjà. Donc, le matin, je fais mes affirmations, j'ai ma petite routine, etc. Très important. Parfois, on est à un niveau, les gens peuvent estimer que c'est satisfaisant, que ça va, c'est pas mal. Mais quand vous connaissez vos capacités, votre potentiel, vous savez que vous pouvez aller encore plus loin. C'est important de sortir de sa zone de confort et essayer d'aller chercher encore plus. Voilà, parce qu'en vrai, de vrai, sky is the limit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est un peu ça. Donc là, on s'est réveillé tôt. Là, ça fait 3 jours que je suis là. Je suis un peu enfermé. Je ne suis pas sorti. Je ne suis même pas allé au sport. Mais j'ai bien avancé. J'ai bien travaillé. Donc là, je vais aller voir le petit déjeuner. C'est comment ici? Je vais vous emmener avec moi. Puis, let's go. Let's go. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ce petit long format là, c'est important. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo. Et voir ce qu'ils nous proposent au buffet, au petit déjeuner. Et on est parti. Ça met top boy. Bon. Là, il est assez tôt. Hein. Il est quelque chose comme 6 heures. Peut-être les gens ils font trop la fête. Voilà un peu le décor. Il y a la piscine là. Je pense qu'elle ouvre à 8 heures. Parce que. Vous allez voir le maître nageur. Et là, il nettoie la piscine et tout. Voilà. Un peu à quoi ça ressemble. À l'extérieur, donc il y a 2 tours. Ah, vous voyez, là c'est des R plus. Là, je crois on est sur R plus 20 au moins. Donc là, on n'est même pas au rez-de-chaussée. Là, on doit être au premier ou au deuxième. Là, au moins sur R plus 20. Quand je vois des choses comme ça, ça motive vraiment. Moi, prochain projet, faut que je fasse au moins R plus 8, R plus 9, R plus 10. On fera les calculs. Combien R plus 10 peut coûter en Afrique selon la taille du building? Donc, bon. Voilà, avec un espace comme ça, là, ce serait cool hein, de faire un petit hôtel au Congo, à la cité. Un petit hôtel, vraiment un mini-hôtel avec ce genre de décor. Surtout, ce qui pourrait marcher, si vous faites quelque chose à l'avenir, surtout à Brazzaville, c'est une piscine. Les gens, ils aiment les piscines. Ouais. Si vous arrivez à mettre une piscine, là où vous allez construire un building pour faire du Airbnb ou peu importe, c'est sûr que ça va marcher. Sûr que ça va marcher parce que les gens aiment se baigner. You have 10 dirhams? No, I don't have 10 dirhams. I only have 100. Ouais, je vais me caler là. Là, mon avis, c'est surtout. Ouais, la différence quand tu te réveilles tôt. En fait, le breakfast il commence à 6h. Et là, tu vois qu'il n'y a personne. Mais je suis sûr que tu reviens ici à 7h45, 8h, t'auras tout le monde. Donc c'est la preuve qu'il faut se réveiller plus tôt que les autres. Vraiment, il n'y a que des bénéfices. Il y a du froid, mais il y a du chaud. Il y a un peu de tout. Hein. C'est pas ouf non plus, mais... Ouais, j'ai pas tellement faim. Tu regardes. Parce que regarde, là, depuis que je suis ici, je ne suis pas sorti. Hein. Je ne suis pas sorti. Je ne suis pas allé au Burj Khalifa, je ne suis pas allé à la marina, rien. J'irai peut-être demain, après-demain. Et c'est quand tu restes à la maison pendant 3-4 jours, tu fais que travailler, tu te rends compte que waouh, le temps il passe vite. Incroyable, on n'a pas de temps à perdre. Et qu'on perd énormément de temps à foutre. Et qu'on perd énormément de temps à faire de n'importe quoi. Les réseaux, scrolling, etc. Donc là, quand je bosse, genre je suis comme ça, je le balance comme ça, tac. Je gère pas, je le mets en mode avion et je suis en mode focus. Je me suis réveillé, il était 6h.
Là, il est déjà à 17h16. Déjà à 17h16. Tu vois, la journée, elle est finie. Le soleil va se coucher bientôt. Donc voilà, faut être productif. Faut être productif. Les 24 heures passent très rapidement. Très tôt, du genre, par exemple, tu te réveilles à 3h30. Tu vas voir que de 3h30 jusqu'à 9h, voire 10h, personne ne va te déranger. Pas de WhatsApp, pas de message, pas d'appel, rien. Parce que tout le monde dort. La plupart des gens se réveillent à 8h, 9h, c'est ça. C'est un avantage. Et en plus, quand tu fais ça, admettons, si toi, tu te réveilles à 3h30 et que la plupart des gens se réveillent à 8h, 9h, logiquement, si tu es productif, hein, parce qu'après, il y en a qui travaillent bracelet, mais ça veut dire que tu as presque 5 heures de plus que chaque jour. Fais 5 fois, je ne sais pas combien de jours. Sur une semaine, tu as déjà 25, 30 heures. 30 heures sur un mois, tu as déjà 120 heures. 120 heures, ça fait combien de jours? Ça fait 24, 48, 96, 4. Ça fait 5 jours quasiment. 5 jours. Donc, t'as, chaque mois, tu gagnes presque une semaine sur les autres. Donc, voilà. Bon, les gars, là, on va faire un petit tour un peu. Là. On va se balader. Ça fait 4, 5 jours, je suis bloqué. Ouais, le t-shirt, là, il est pas repassé. Mais on s'en moque. Hein. On s'en moque. Voilà, on va faire un petit tour. Hello, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm doing good, bro.